Voilà, tempo, frein, tac, tu te retournes, joli. Tu pourrais être un petit peu moins précipité, mais par contre, ta gestuelle, elle est bien gérée, Juliane. C'est bien. Tu me fais coucou avec les jambes? Eh, parfait. Ah, nickel. Elle est belle. Et des grands pas jusqu'au bout vers l'avant sur la ventrale. Nickel. Eh ben, jolie, ce déco. Tu peux t'installer, comme ça, je vois si tu es bien au fond. Voilà, va dessous à droite, va dessous à droite, freine à gauche. Nickel, bien récupéré. Et une accélération jusqu'au bout, grand pas. Juste les mains un petit peu basses, mais le reste c'était bien géré, Antoine, joli. Beaucoup plus fluide que ce que j'ai déjà pu voir, c'est bien. Alors, tu vas corriger un petit peu ton cap avant de prendre tes deux commandes dans une main, parce que si tu te trompes, corrige à droite vers le lac, là, tu vois. Prends le cap vers le lac, normal. Voilà, et sur le cap du lac, comme ça, tu vas prendre tes commandes bien au milieu, pour pas changer de cap, donc devant les élévateurs. Voilà, elle monte bien, nickel, viens un peu vers moi, un peu de frein. Et on accélère jusqu'au bout. Encore, encore. Allez, t'appuies pas sur ta commande là, relève la main gauche. Ah, faut que tu fasses gaffe à ça. Hein. C'est dommage, tu fais tout bien, puis t'as la main gauche qui descend sous les fesses au moment du déco. Alors, c'est pas grave, là sa voile aurait été bien installée, parfait. Allez, petit contrôle. Ouais. Ah bah bien géré, ouais, je peux t'y penser plus au contrôle visuel, mais c'est pas grave, on y repensera le prochain coup. Ça fait des images magnifiques. On est pas au-delà. Tu me confirmes que t'es bien installé, confort et tout, nickel. Bon bah écoute, normalement c'est pas plus compliqué que ça, je te laisse aller vers le terrain de foot. Viens un petit peu dessous vers moi, et freine à droite, voilà. Un peu de frein, frein. Ouais, juste attends, recours s'il faut, recours, ça va voler. Ah, tu l'as joué un peu à l'arrache. Allez, c'est pas grave. Reprends tes esprits. On corrige un petit peu à droite pour aller vers le lac. Ok, t'es bien assis, nickel. Voilà, doucement. Elle arrive, un peu de frein. Et on accélère. Remets-la dans l'axe. Un peu de frein. Et on... jusqu'au bout, tu cours. Voilà. Faudra que tu arrives à avoir un petit peu plus d'appui sur ta ventrale. Ce sera plus facile parce que là, tu cours un petit peu à reculons. Je t'expliquerai. Allez, je te laisse t'installer, Pierre. Ah, donc Thierry, en fait, quand tu choisiras le moment, tu dis bon ben là je commence à faire du pénis parce que si tu utilises. Attends, détends tes bras, voilà, elle arrive, garde un peu de frein comme ça et t'accélères. Joli. Ah, t'aurais pu me faire un pas de plus, ça aurait été encore plus classe. Tu pars un petit peu crispé sur ton gonflage, c'est pour ça qu'elle monte pas au top, après tu l'as bien récupéré. Ça c'est les deux points. Regarde bien ta cible. Ah, tu peux rentrer direct, hein. Tu peux prendre direct. Allez, vas-y, encore. Allez, laisse venir, encore. Vas-y, faut que ça tourne. Là, c'est normal hein, que ça mette du temps à accélérer. Allez, on maintient encore bien la sellette. On descend encore de 5 cm la main. Allez. Elle va y aller, tranquille. Faut prendre le temps. Tout doucement, on descend jusqu'à ce qu'elle accélère. Allez, encore. 1 cm de plus, 1 cm de plus. À un moment, elle va passer le cap et on va accélérer. Voilà, ça y est, ça commence. Allez, tout doucement, tu vas commencer à freiner l'extérieur en restant. Ben c'est bien ça, c'est nickel. On se prépare la tempo. Top maintenant. Allez, tu peux en refaire un, mais on va changer. On va faire. Si tu tournes à gauche, d'abord tu vas faire un petit virage à la commande à droite. Tout de suite, un petit virage à la commande à gauche. Comme ça, ça va l'incliner dans le virage. Elle va rentrer plus vite dans le 360. Vas-y, un petit virage à droite et top, tu repars à gauche direct. Top à gauche, c'est tes commandes. Et tu maintiens, et là tu vas voir, elle va accélérer en un demi-tour. Voilà. Encore. Ah bah elle est ressortie, c'est pas grave. On recommence. Petit virage à droite, petit virage à gauche. On met un peu plus de commande. Top, petit virage à gauche. Et on maintient la commande bien de la sellette. Voilà, encore. Elle accélère. Tout doucement, tu vas freiner sur l'extérieur pour empêcher. Attention à la tempo. Top maintenant. Nickel, allez, on a le temps d'en refaire, hein. Vas-y, petit virage d'un côté, on inverse de l'autre. Tac, et voilà, on maintient un peu plus longtemps qu'au premier parce que tu arrives à bien gérer les sorties. Allez, encore, on maintient encore, elle ressort toute seule. C'est pas grave,
Allez, t'as encore le temps de faire un dernier. Et on maintient avec un tout petit peu plus de commande, Julian. Allez, petit virage d'un côté, top, on inverse de l'autre. Voilà, et là, elle va partir encore une fois. On laisse continuer, on laisse continuer, on laisse... Encore. Elle ne veut plus. On en a fait un. Bon, on va s'arrêter là, on en reparle. De toute façon, on a le deuxième vol encore pour gérer. Mais c'est bien ce que tu as fait, on en reparle en bas. L'idée, c'est qu'on arrive à sentir l'accélération et qu'on la perde tout doucement, cette accélération. Plus tu perds doucement cette accélération, moins il y aura de temporisation à faire. C'est vraiment tard, là, Julian. On a encore la PTU à faire. L'avant arrière, c'est sur la rivière. Là, t'es en inversé, là. Bon, je te laisse faire. Fais ton feeling. Si toi, tu penses que de ton côté, le vent est inversé, bon, bah, je m'incline. On va voir. Ouais, mais il a pas tort. Regarde la manchère au milieu. Ce qui fait chier les élèves quand tu leur apprends bien les trucs, c'est que tu n'as plus du tout de pouvoir sur eux. Ouais, c'est top, Julian. C'est toi qui as raison et je suis désolé. C'est la fin de saison, je suis fatigué, je fais des erreurs. C'est bien vu. Ouais, c'est bien. Ouais, parfait. Nickel, Julian, bravo. Alors, pour rien te cacher, moi je dirais que t'es un petit peu haut sur une approche sans S. Soit tu t'éloignes en vent arrière, soit tu fais un S, à mon avis. Mais c'est informel, c'est-à-dire que c'est toi qui choisiras quand même. Ouais, c'est bien, mais tu pars effectivement, je pense, pour doubler l'étape de base quand même. Hein. Alors, lève-les carrément et puis tu vas regarder ton bord de fuite pour voir combien de centimètres t'arrives au contact de la voile. Alors c'est bien, tu utilises presque toute la place de disponible, mais tu pouvais l'utiliser davantage encore. Hein. Tu pouvais aller carrément plus sur la butte, c'est pas grave, hein, t'as la place pour faire TS, hein, mais t'avances pas trop sur le terrain. Ah, c'est mieux là. Là c'est bien utiliser toute la largeur dispo. Nickel. Regarde la cible, en fait, regarde, là on a tendance dans ce sens-là à regarder la manche aérienne. Essaye de regarder la cible. Allez, vas-y, rentre en gros. Voilà, tu vas voir qu'en rentrant à cette altitude là, normalement, t'es bien. Ouais, ça fait tout. Cool. Oui, vous nous entendez à la vidéo. Et donc, rendez-vous au terrain de football avec Laurent pour William. On n'oublie pas le freinage final, évidemment. Ouais, c'est bien, Victor. C'est parfait. C'est une belle adaptation sur la fin. Oh, t'aurais pu rentrer un petit peu plus bas, mais ce qui compte, c'est que ce soit construit. C'est beau hein, quand c'est neuf. Bah bien géré, ouais, je me suis porté plus au contrôle du visuel, mais c'est pas grave. Ça fait des images magnifiques. Ah, je te laisse toujours faire, Antoine, on n'est pas au-delà du fond de terrain, hein. On est sur la partie terrain pour l'étape de base, on est au-dessus de l'herbe, hein, pas des arbres. Hein. Là, j'ai un doute en fait. Enfin, j'ai un doute parce que t'es très loin, mais vu que tu tournes vers moi, j'ai plus de doute, c'est moi qui avais la vision qui était correcte. Et dès que tu es sur le terrain, tu repars à gauche en étape de base. Ouais, il repart à gauche en diagonale pour aller rejoindre quasiment les vaches là-bas. Et puis là, tu seras... Regarde ta cible maintenant, ne regarde pas la manchère. La manchère, c'est un trompe-l'œil. La cible, c'est le centre du terrain. Et c'est marrant, dans ce sens-là, vous arrivez toujours trop court. Alors du coup, j'anticipe un peu. Ah, c'est bien, hein. Je dirais que tu as été un tout petit peu trop gourmand derrière l'étape de base, ce qui n'est pas dangereux là, mais avec du vent, allez, tu vas quand même pas aller faire peur à ces pauvres vaches. Ah, t'oublies pas de freiner. Ah, mais non, à fond. Ah là, je voulais pas te le dire, pour moi, c'était le freinage, c'était toi qui allais gérer. Tu feras gaffe parce que t'es dans... Je sais pas si t'es encore dans le parc. Si t'es dans le parc, tu fais gaffe parce que c'est peut-être miné.
Mais si t'es pas dans le parc, normalement ils mettent pas le parc jusque là, mais bon, au cas où. Et donc en fait, la prochaine fois, fais bien ton étape de base à l'entrée du terrain, d'une part parce que tes repères seront plus faciles à avoir, et puis comme ça t'es sûr que même si la brise se lève, tu seras pas verrouillé derrière, quoi. C'est tout. William, ce que t'as fait, tu vois, j'ai quasiment pas parlé à la radio, ça veut dire que c'est parfait. Par contre, pour... c'est pas méchant non plus. Johan, je te trouve presque un petit peu loin, en fait. Vu ton altitude, tu peux te permettre. Hein. Te verrouille pas non plus, William. Hein. Te verrouille pas. Je veux dire, faut vraiment rentrer, là. Hein, tu passes pas vraiment très haut et tu regardes où est ta cible. Regarde pas ta manchère, mais regarde bien la cible. Ah, tu vois qu'elle est quand même loin. C'est dommage, c'est juste la fin, là. Tu te laisses peu de marge. Ça passe, hein, évidemment, hein. Mais tu te laisses quand même peu de marge, je trouve, pour rentrer en étape de base. C'est pas très grave, parce que le terrain est grand, puis t'es dedans, et puis t'es dedans, oui, tu seras dedans. Ah, Thierry, on va sur... Putain, je finis, voilà. Regarde loin devant, lève la tête un peu, William. Tu verras sur la vidéo que t'as les bras qui bougent un petit peu en finale. Ça vient en général d'une tension, tu tends les muscles en haut. Et pour éviter ça, en fait, souvent, il suffit simplement de ne pas regarder l'endroit où tu vas mettre tes pieds, mais de regarder plus loin devant. Du coup, en fait, tu as moins l'impression que le sol défile vite et tu es plus détendu. Le reste, c'est parfait, hein. C'est toi qui fais, hein, Johan, hein. Fais-toi confiance, hein. Tu l'avais déjà fait. On a toujours un petit truc à peaufiner, mais je veux dire, globalement, le plan de vol, tu le connais. Et je voudrais que tu utilises vraiment toute la largeur disponible. Parce que si tu utilises... T'es un petit peu haut en étape de base, là. Si tu n'utilises pas toute la largeur, chaque fois que tu vas faire un S, tu vas t'avancer un peu sur le terrain. On va pouvoir régler un peu autrement ta sellette, je pense. Regarde bien ta cible. Ah, tu peux rentrer direct, hein, si tu veux. Prendre direct. Ça t'évitera de marcher. Enfin, vous êtes des marcheurs, mais moi non, alors forcément, je... Un tout petit peu plutôt le freinage, voilà, ça te permet. Puis sortez les jambes, surtout sur ces 7 là, c'est facile. Ah, en fait, top, et repars à droite maintenant en vent arrière, mais du côté gauche de la rivière pour toi. Voilà, allez, repars à gauche encore. À droite, pardon, c'est toi qui as raison. Bah là là, j'ai manqué de concentration. Allez, bien à droite pour mettre parallèle là maintenant. Aide bien la sellette. Tu vois là, tu t'appuies sur le côté opposé. Repars encore à droite. Allez, baisse le genou droit et lève le genou gauche. Allez, baisse le genou droit. Voilà, là ça tourne. Tout droit comme ça. Voilà, tu vois, on n'est pas très haut, donc on va sauver le terrain. On va passer du bon côté du terrain. Tu vas viser la gauche des vaches si tu préfères. Comme ça, tu seras au fond du terrain à la bonne hauteur. Un petit peu plus sur ta gauche, juste à la sellette. Tu baisses la jambe gauche. Regarde à droite. Tu commences à baisser la jambe droite, voilà, et là, tu peux, top pas plus. On fait un petit passage en étape de base, et là, tu peux rentrer en finale, là, parfait. On n'oublie pas qu'il faudra se mettre debout, faire le freinage, tout ça, c'est pas fini, quoi. On reparlera après de la fin de perte d'altitude, on se concentre sur l'approche. Bien, reste comme ça, à fond. Tu sais, on en avait parlé, je pense, à Samoin. Tu freines, ton freinage final, il est un peu violent. Tu peux le faire plus doucement, plus progressif, on va dire. Là, c'est un peu comme si tu arrivais en voiture vers une place de parking. Et au moment où tu décides que tu vas arriver sur la place de parking, tu piles sur le frein. Ça marche, hein, tu seras arrêté au bon endroit, mais c'est pas très agréable. Voilà. Quand je te le demanderai, on fera un grand demi-tour par la droite. On a le temps, mais on fera un grand demi-tour par la droite parce que on n'est pas très haut. On n'aura pas le temps de marquer l'étape de base, si tu préfères. Tu peux commencer à venir un peu au milieu, vers un peu derrière la manchère. Voilà, tu vas vers les vaches quasiment. Top, pas plus. Top, top, top. On regarde à droite vers la cible. On est prêt à faire un gros quart de tour, mais on a le temps. Hein. Attends. Allez, commence à revenir à droite. Encore, top, pas plus, top, 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 et top à droite vers la cible.
pas beaucoup à la commande là, mais c'est pas grave. La sellette, pardon. Regarde plus ta cible. Maintenant, tu regardes vers moi. Reviens dans l'axe du terrain à gauche. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Attends. Détends-toi, commence à freiner debout et à fond. Voilà, vous avez tous un peu du temps à vous mettre debout. Du coup, vous arrivez avec les genoux encore un peu pliés. Voilà, tu freines symétriquement des deux côtés jusqu'au niveau de... Voilà, et relève d'un coup. Voilà, attends. Allez, top, on refreine maintenant. Et top, tu relèves. Alors fais attention à ton axe. Top, tu refreines. Regarde pas la voile, regarde devant toi. Je veux que tu continues à aller droit. Attends, allez, top, on refreine. Allez. Et top, on relève. Attends. Top, on refreine encore. Top, on relève. Attends. Allez, top, on refreine. Top, on relève. On va freiner plus progressivement. Attends, allez, top, on freine un peu comme on arrondit, et top, on relève. C'est mieux là. D'ailleurs, t'as vu comment elle plonge devant. Attends, allez, top, on refreine une dernière fois. Et top, on relève. Eh ben, t'es à la bonne hauteur pour jouer maintenant sur ta vente arrière. Ah, utilise, reviens à gauche. Ouais, je te laisse finir, Jean-Loup, mais à la limite, continue ton... Ça se fait pas normalement, mais continue ton virage à droite. Fais-moi un demi-tour par la droite, Jean-Loup. Voilà, simplement, je veux te recaler au fond du terrain, en fait. T'es venu te mettre au milieu du terrain dans ton premier S parce que t'as pas utilisé toute la largeur dispo. Voilà, va survoler la butte qui est devant toi, là. Voilà, normalement, on le fait pas, ce que je t'ai fait faire, hein. C'est juste pour te recaler. Continue, t'es déjà en train de revenir, là. T'as de la place devant toi. On continue encore. Et là, tu fais demi-tour. Voilà, tu vois, doucement. Tu n'es pas obligé de faire demi-tour plus vite, t'as vraiment de la place, hein. Voilà, allez, boucle bien à droite, viens pas au milieu de ton terrain. Voilà, top, pas plus. Regarde ta cible, attends. Allez, top, là, tu fais ton demi-tour. Ouais, tu peux, ouais, tu fais un petit demi-tour et puis tu pourras rentrer sur la cible. Je t'ai perturbé là, hein. T'as vu que quand un truc change dans une approche classique, on est vite perdu. Tu vois, ça faisait 2-3 fois que tu posais tout seul. Le fait d'avoir changé de positionnement sur ta vente arrière, après c'est plus compliqué. Ça posera, t'inquiète pas, regarde loin devant, lève la tête. Et on n'oubliera pas de se mettre debout. Hein. Nickel, à fond. Ah, toi, là, à la fin, je te dis, on n'oubliera pas de se mettre debout. Donc tu dis, ah ouais, freine à fond, avant, bah, c'est trop tard. Et du coup, un peu tous, hein, vous avez tous eu tendance à freiner, à vous mettre debout et tout en même temps. Donc du coup, ça a fait des latéraux où ni le frein était à fond, ni les pieds étaient tendus. Ouais, belle. Tac, et on y va. C'est un beau déco. Tu peux être fier de toi. Tu me confirmes juste que tu m'entends bien, que tu es bien installé, Juliane, avec les jambes. Nickel. Voilà, nickel. Là, ça... Ah bah ouais. Laisse-la partir encore, hein, tu l'as sortie. Pas... Tu fais juste le dernier pas, un tout petit peu en sautant, mais par contre, c'est vrai que ça n'a rien à voir, ta gestuelle. Allez, tu tiens juste un peu la voile, le temps de sortir de la zone qui bouge. Et tu me confirmes que t'es bien assis, Antoine? Parfait. C'est bon, on maintient. Voilà, mieux là. Là, tu vas t'y retrouver et on accélère. Jusqu'au bout, royal. Et t'as plus ce petit mouvement de commande que j'avais critiqué la dernière fois. Bah voilà, c'est bon, t'as rattrapé ton premier déco, parfait. À droite, j'ai dit on pose. Allez, tu peux aller à droite. Alors, et là tu me fais l'approche. Voilà, vas-y, bascule à droite direct parce que on va s'éloigner du relief déjà. Top, tire ta voile, voilà, bien, frein. Ouais, voilà, juste attends. Tu sais que ça va être dur quoi donc. Ouais, faut vraiment pas la laisser doubler, hein. Là t'es une partie sans contact. Symétriquement. Heureusement que tu cours. Allez, c'est bien. Jean-Loup, avance-toi vers la vallée tout de suite, on va quitter la zone qui bouge. Allez, vas-y, elle arrive, voilà, elle monte, lâche d'avant, un petit peu de frein, voilà, et tu cours, remonte doucement tes mains, et t'as toujours... regarde ta main gauche, elle descend toute seule là, faudra vraiment qu'on le corrige ça. Comment ? Tourne pas trop longtemps, voilà, tu me refais coucou juste, ok, parfait, William. Écoute, tout droit comme ça pour l'instant, ça a bougé un peu. Voilà, nickel, un peu de frein, et sur la ventrale, frein, avance. Attends, freine à gauche, arrête tout. On va faire un demi-tour bien.
Vas-y, tu peux aller un petit peu dessous. Allez, regardez maintenant, frein, et on accélère. Viens vers la voie. Ah, il est un petit peu tôt en fait ton contrôle visuel, c'est pas grave, on en reparlera. Par contre, ton déco est propre, c'est bien. Allez, stop à gauche encore. Allez. Ah voilà, je te laisse me confirmer que t'es bien assis. Parfait. Et descends-moi la cuisse gauche pour voir là si ça tourne. Ouais, bah ça a l'air mieux. Voilà, t'as vu d'un coup quand tu tires. Voilà, bien. Et juste sur la ventrale, jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est plus aérien. Fais gaffe à ton cap. Voilà, corrige à gauche tout de suite. Et nickel. Tu t'installes, Victor, comme ça je vois si t'es bien au fond. Voilà, prends le temps. En fait, toi, tes jambes, il faut qu'elles soient tes fesses le plus au fond possible. Voilà. Là, elle arrive. Frein. Voilà. Et là, t'accélères. Encore. Bah voilà. Allez, tu peux t'installer au fond de la sellette. Voilà. Redresse un peu ta tête. Regarde loin devant. Détends-toi. T'as l'air un peu crispé. Voilà. Là, tu vas pouvoir attaquer par un virage d'un côté, puis rappui de l'autre, hein, comme on faisait tout à l'heure. Un petit, une mise en roulis, en fait. Alors, tu peux commencer un virage d'un côté, puis tu mets bien toute la sellette de l'autre côté et de la commande. Et on laisse accélérer pour l'instant. On laisse accélérer encore. Laisse encore accélérer. Elle est ressortie. On le maintient pour l'instant. Ah oui, elle va y aller. Laisse-la accélérer encore. Descends encore un petit peu la main. Allez, vas-y. Encore. Tout doucement. Laisse accélérer. Et là. Ça y est. Maintenant, tout doucement, tu descends la main extérieure. Attention à la tempo, on est prêt. Top maintenant. Ouais, si tu peux descendre plus doucement la main extérieure. On a le temps d'en refaire une là, hein, si tu veux. Hein, vas-y. Tu peux mettre un peu plus de roulis au début. Tu peux faire un virage un peu plus important gauche et droite. Voilà. Voilà, qu'elle s'installe un peu. Voilà, elle s'installe vite là, tu vois. Laisse-la partir encore. Ah, tu l'as sortie, c'est pas grave. Voilà. Attends, on va repartir, tu vois, elle ressort tout seule. Va tout droit. Ah non, elle repart, c'est bon. On maintient. Et tout doucement, on inverse. Tout doucement, on freine à l'extérieur. On est prêt. Et top maintenant. Tu peux freiner un peu plus symétrique et un peu plus fort la tempo. On a encore le temps d'en faire une, hein, si tu veux. Julian, je te laisse faire, hein. Allez, on y va encore, laisse-la partir. On la laisse encore. Encore. Toi, elle repart, maintiens encore. Oh, t'as meilleur temps d'aller tout droit et puis de refaire une inversion de virage. Voilà, sors carrément, tu vas tout droit. Top, tu fais à droite et puis tu repars à gauche. Ou bien si tu t'en fous, tu continues quoi. Ah voilà, tac, et là tu repars à gauche, vas-y. Ah. Voilà, ça y est. Allez, maintiens encore bien de la sellette là. Voilà, ça y est. Et tout doucement, un centimètre par centimètre, on sort à l'extérieur, on se prépare à la tempo. Et top maintenant. Allez, on va se reconcentrer sur l'approche pour l'instant, on redébriefera ça tout à l'heure. C'est pas mal, hein, il y a juste la sortie qui se fait un peu plus rapide qu'au premier vol, mais on en discute tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, Julian? Mais je reprends la main. Repars à droite, j'ai dit on pose dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Et là tu me fais l'approche, reste à gauche, tu fais quart de tour à gauche, gauche. Top, pas plus, top. Julian, écoute-moi, on va au fond. Voilà. Je pense que, comme on dit, ça t'a tourné la tête les 3-6. Allez, vas-y, tu peux là. Tu vois comment elle est là, mon cher, là? Voilà, tu vas être un petit peu long, je pense, mais c'est moins grave que poser vent arrière. Excuse-moi, hein, mais j'ai pas du tout compris ton approche, du coup je préférerais reprendre. Et ça bouge un peu, Thierry, hein, je le vois, mais tu t'inquiètes pas, tu sais. Voilà. Ouais, tu vas pouvoir envoyer après Thierry, hein, aussi. Hein. Nickel. Voilà, tu m'expliqueras, mais je pense que tu voulais poser dans l'autre sens. Allez, on va faire les baies, mais ce coup-ci, ben, tu sais que ça va être dur, quoi. Donc tu les prends au niveau, au-dessus des maillons, toi. Et tu te pends dessus symétriquement. Tu baisses les deux mains. Allez, vas-y. Elle va basculer en arrière, tu maintiendras. Allez, tire vraiment au niveau des deuxièmes, là, vas-y, elle y va. Allez, tire encore, tire presque. Allez, ah, pas encore assez. Allez, tire encore un peu, plus bas, tire encore plus bas.
Elle y est presque, hein. Elle veut pas, mais tu dois arriver au niveau des épaules. Allez, encore, descends au niveau des épaules. Vas-y, carrément. T'es dans une... Voilà, relève, on va le lâcher, parce que là, je vois plus du tout, t'es pas dans le profil qui va bien. Ok, allez, vas-y, tu les prends au niveau des maillons, comme ça, tu peux t'appuyer sur les maillons en les descendant. Et donc, les élévateurs qui sont juste devant les freins, tu les baisses jusqu'en dessous des épaules. Vas-y, allez, elle y est, bah voilà, tu vois, il a pas voulu maintenir. Donc, tu l'as fait, maintenant, idéalement, il faudrait le maintenir un peu plus longtemps pour qu'elle ait le temps de se stabiliser. Donc, si tu veux le refaire en le maintenant, tu sais qu'elle part derrière la voile. C'est pas grave, après, elle va revenir devant, elle va pas continuer derrière. Allez, vas-y, t'as encore le temps. Voilà, allez, maintiens encore, descends. Voilà, maintiens, et là, tu laisses revoler. Voilà, eh ben bravo. Allez, je te laisse retourner sur ton plan de vol. Voilà, tourne pas trop longtemps le dos à ton terrain, Antoine. Enfin, en tout cas, tu le gardes vue si tu t'en éloignes un peu d'eau. Là, tu peux, Thierry, par prudence, tu peux le faire plus tard, plus bas, mais tu peux commencer à faire tes allers-retours de part et d'autre en 8, si tu veux, en regardant la fenêtre. Et la fenêtre, regarde où est Antoine, là, en ce moment, c'est exactement là que tu dois arriver, la voile verte, là. Donc, t'as le temps, hein, t'as encore haut. Mais c'est cette vente arrière-là, passe pas trop derrière le terrain, il y a plus de brise, Antoine, regarde la manchère. Voilà. Et je vais bientôt pouvoir m'occuper de toi, Jean-Loup. Tu restes dans cette zone-là pour l'instant. Alors, on avance en fait de manière à quitter les zones turbulentes près du relief, et ensuite tu vas en direction du coup. Et t'attendras que rentre le disque pour les oreilles. Ouais, bien. Freine pas trop tôt. Toi, en freinant vraiment, on va essayer... Attends, tu vas commencer, mais juste tu descendras 10 cm quand je te le dirai. Attends encore. Là, top, et à fond. Bien mieux, là. Bon, même toi, on a freiné trop tôt encore. Mais bon, t'as un bel arrondi. Faire des S, Thierry, fais un quart de tour à gauche. Je vais me faire des S sur le... Je vais me faire des S sur le champ qui est entre la petite route et le petit chemin qui est tout seul, le petit arbre qui est tout seul au fond. Reste au fond, hein, reste au fond pour l'instant, rentre pas trop tôt. Regarde bien ta cible doucement, c'est juste des corrections. Regarde à gauche vers la cible, mais t'as le temps encore. Ah, tu peux retaper un tout petit S, mais il en faudra pas beaucoup. Ah non, tu peux rentrer à mon avis. Ouais, tu peux rentrer... Surtout, ouais non, t'es bien là. Vise bien la cible qui est plus sur ta droite là. C'est pas fini le vol. Reviens à droite là, t'es pas dans le terrain là. Bon, c'est pas grave, tant pis. Pose dans le terrain devant toi. Et vas-y, on prend et on tire vers... Ouais, maintiens, parfait. Ah bah là, c'est franco. Allez, vas-y, relève et ça revole. Merveilleux. Et t'as le temps d'en refaire un si tu veux. Sinon, si tu veux pas, c'est pas grave. Attends qu'elle stabilise quand même avant. Hein. Voilà, là elle est stabilisée. Tu peux si tu veux. Comme tu veux. Ouais, et on relaisse voler. Parfait. Et on reprend le plan de vol parce que t'as vu, par contre, c'est bien, mais ça descend quand même comme figure. Hein. Allez, je te laisse gérer ton approche. Tout seul, hein, je te regarde, hein, je te filme même, mais je dis rien. Enfin, sauf si tu veux me la mettre dans les arbres, la voile, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Lève la tête, regarde pas tes pieds, regarde loin devant, tu vas voir, ce sera moins impressionnant. Nickel, bravo. T'as un peu les bras qui bougent quand même aussi. Hein. Gauche-droite, tu viens tout tendu quand le reste freine à fond, voilà, ouais, prends l'habitude de les poser derrière. T'es un peu tendu dès que le sol arrive alors que t'es détendu avant, c'est juste parce que je pense que ton regard est trop près de tes pieds. On va me refaire les deux grandes oreilles là et tu rentres en arrière sur les arbres dès que t'as fait les oreilles. Allez, vas-y. Une, deuxième, parfait. Allez, on rentre en arrière sur les arbres. Vas-y, tu rentres en terre et on va la faire aux oreilles, celle-là. Enfin, on va voir, hein. Peut-être on devra lâcher avant. Mais voilà, c'est l'idée, c'est vent arrière sur... Viens pas trop vers le terrain non plus, quand même. Reste bien à l'aplomb de la rivière. Voilà, et tu sais que
on va devoir anticiper. Ouais, tu peux même, si tu as raison, tu peux venir en direction de... Tu peux commencer à rentrer sur l'étape de base, mais sans venir au milieu, quoi. Tu vois, tu sauves ton terrain, comme on fait d'habitude. Tu vois, d'être sûr d'être du bon côté. Et là, on va faire un demi-tour bientôt pour pouvoir se remettre bien droit, pour pas avoir à poser en virage. Allez, tu commences à revenir vers la gauche tout doucement. Encore, en gardant les oreilles. Hein. Si je te dis stop, lâche tout, ben tu lâches tout et tu mets un petit coup de frein. Allez, top à gauche encore. Allez, allez, descends la main gauche en même temps. Faut que ça tourne. Allez, 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 encore. Tire sur l'oreille de gauche pour mettre du poids et pour... Voilà, t'as vu d'un coup quand tu tires, tout droit comme ça, on va faire un long final. Fais un long final comme ça. Voilà, tu vas voir. Et quand je te dis, tu lâcheras les oreilles en même temps que tu freines. Attends, 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 lâche et freine. Freine, freine en même temps. Voilà, bien. Bravo. Non, c'est bien ce que t'as fait. Dis pas merde, c'est super. Allez, vas-y. Voilà, et allez, va chercher l'autre. Ah, tu peux les rabattre un petit peu plus, hein. Tu vas les prendre un peu plus haut, les suspentes. Attends, on va s'arrêter là, Pierre, fais-moi demi-tour parce que tu t'éloignes un petit peu trop. Ça fait encore, hein, mais voilà. Je te laisse toujours faire sans t'oublier, hein, Johan, mais vraiment, c'est top. Tu restes concentré, hein, Victor, pour l'instant, je te laisse faire. Hein. Ah, Théo, hein, pour t'approcher du terrain, Johan. Hein. Après, ça s'enfile vers les arbres et c'est là, dans ce coin-là. Ah, nickel. Finis pas aux arbres quand même. Hein. Dans la forêt, hein. C'est pas à la falaise, c'est derrière, dans la forêt. Voilà. Utilise ton temps, c'est bien, tranquille. C'est bien, hein, c'est propre ce que vous faites, c'est construit. Et Victor, c'est pareil, je peux pas vraiment dire mieux, hein, c'est vraiment bien. Hein. C'est construit, c'est réfléchi. C'est précision, vous allez de toute façon vous allez améliorer à force de voler, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous sachiez ce que vous faites et que vous le fassiez bien aller. Traîne pas par contre, fais un petit final quand même, parce qu'avec la petite butte qu'il y a devant là, voilà, parfait. Tu vois, il y a cette petite butte qu'il faut passer, c'est un peu chiant. On reste concentré. De vous, hein. Ah, là c'est pas la radio là, hein, j'ai vu, hein. C'est toi qui es paresseux, tu veux pas sortir plutôt de la scène. Non, ça va très bien comme ça. Va pas trop derrière le terrain là, t'es vraiment loin là, Pierre. Toi, tu as dépassé largement l'arbre tout seul. Elle revient en diagonale vers devant l'arbre, là, vers les arbres qui bordent le chemin. Et là, tu peux quasiment rentrer en finale. Tu peux rentrer en finale de là. Regarde loin devant, corrige ton cap à gauche. Allez, corrige ton cap à gauche. Encore. Là, ta sellette est à droite. Voilà. Nickel. Commence à freiner. Et à fond. Reste à fond. Reste à fond. Les deux mains en bas. Voilà. Il faudra vraiment revoir. Déjà, je te l'avais dit tout à l'heure, hein, mais tu as vraiment les bras. Dès que tu te rapproches du sol, hein, tu as tout qui se tend et du coup tu n'arrives pas à avoir une trajectoire bien rectiligne. On en reparle, mais il faut faire attention parce que ça peut être dangereux quand même ça.